Oh les mecs. Alors là on s'est réveillé d'une petite sieste, je sais pas où je suis là. David, je suis encore me faire chier aujourd'hui. Où est-ce qu'on est là? Je peux m'expliquer où est-ce qu'on est? Ça semble clair non? Chamed, on fait comment là? Déjà, il y a un truc qui est écrit là. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Je pense qu'il faut qu'on trouve une échelle. Quand on a l'échelle, on la met en haut. Ouais. Et on doit tout faire pour esquiver le petit bonhomme noir là. C'est quoi ça? Oh, il a pas mangé lui à Noël, hein. Oh, appuie sur E, mon gars, et témoigne-moi ça. On a, on va dire, l'accès de notre cerveau. Et je pense que tu vois, si on devient dingue, et ben malheureusement, le cerveau va être impacté. Ok, c'est la santé mentale. Non, mais Lynette, il faut pas courir comme ça en fait. Ah oui? Oui, peut-être qu'on nous entend en fait. On n'est pas censé avoir des objets, enfin, je sais pas, trouver un truc. Bah, déjà, tu restes avec moi? Oui, déjà, ça va être cool. Bah toi aussi, éventuellement, franchement ça serait cool parce que là je viens de te perdre. Oui mais c'est moi qui a la GoPro, c'est moi qui filme. Allez viens. Bah c'est une blague. Prochaine fois que tu refais ça, je te dis que ta mère, c'est bon? Ok. Après je pense vraiment qu'il faut longer. Tu sais qu'il y a une technique dans les labyrinthes, c'est vraiment tu fais ça. Tu fais ça jusqu'au bout du labyrinthe. Tu longes les murs comme les clébards. Oh, j'ai trouvé des bouts d'échelle. Allez prends là, au lieu d'allécher là, comme un malpropre des métros là. Allez là, pose-le. Comment on pose? Ah bah voilà. Mais j'aime bien, c'était aussi simple que ça. On a juste longé les murs comme des clébards. Attends, j'ai une clé. Mais comment pour monter? C'est ma clé, c'est moi qui ai eu la clé. Mais la clé pourquoi? Tu vas me dire il faut une clé pour une échelle maintenant? Bah non, mais on a eu une clé en hauteur. Donc maintenant on doit trouver autre chose. Ah ok, donc il y a une porte ça veut dire. T'es pas smart toi hein. Après moi ce qui me fait peur, c'est que dans mon sac à dos bah j'ai pas de clé. Oh! Quoi? T'as entendu hein? Ça a toqué? Ça a toqué? Ah j'ai rien entendu du tout, t'es vraiment défoncé. Mais je te jure que... Oh mon dieu, c'est effrayant là hein. Lynette, c'est pas ici, c'est pas ici, je te jure c'est pas ici. Oh mon dieu, oh ça fait peur. On dirait une salle de torture. T'es mort? Non, je suis pas mort. Bon, Lynette, moi je t'attends devant l'échelle. Non, bah non, mais je suis à l'opposé. Bah, t'es à l'opposé, tu vas venir me chercher. Moi je peux pas sortir tout seul, moi. Mais pourquoi on joue à cette merde? On y connaît rien, on est nul. Bah, c'est toi, tu m'as invité. Franchement, tu pouvais m'inviter pour un jeu plus sympa. Hein. Après, tu pourrais quand même essayer de me rejoindre quand même. Hein. Oui, bah, j'essaye de faire comme je peux. Hein. Je suis pas non plus professionnel dans le milieu, là, j'avance. Ah je te spec. Attends mais Lynette, c'était toi qui avais la clé? Bah oui, mais peut-être on l'a à deux. Je viens de regarder mon inventaire, j'ai pas de clé hein. Bah moi non plus. Oh y'a une porte. Où ça? Là, avance, à ta droite. Bah arrête de faire l'abruti, la vie de ma mère est derrière toi. Oh oui. Ton cerveau de silicone carné là. Ouais j'suis en train de lécher la serrure gros dégueulasse. Non mais Lynette, je me retrouve vraiment dans la définition du cul de sac. Et en fait j'ai pas envie de retourner là-bas Lynette, vraiment j'ai peur. Vas-y porte tes couilles. Lynette, je te jure j'ai peur, la vie de ma mère je me chie dessus. Il fait très peur, hein, je te l'accorde. En fait c'est ton problème, t'aimes trop jouer le gangster et maintenant je me retrouve tout seul. Bon, le gangster, bon. J'ai vu le bonhomme, j'ai levé les mains en l'air comme si c'était la police. Oh, y'a mon corps! Va me faire du bouche à bouche! J'ai peur, en fait, j'ai peur qu'il t'ait bouffé et qu'avec l'odeur des cadavres. Non, ça va, je chante très bon, hein. Oh, le bordel! Un perso Favnet at Freddy's. Ah, ça va être compliqué là, y'a une jambe en moins. Tu vas ressembler à Racaillou si je te réanime. Papa! Je vois rien, arrête avec les murs! Il veut quoi? Mais une gifle! Y'a un problème! Y'a un problème, le phasme! Ouais, c'est bon, il m'a saoulé! Voilà, magnifique. Allez, moi je suis un vrai, moi. Moi je me sacrifie pour mon pote. Bon, à partir de maintenant, speedrun, ok, Shawen? En vrai, on trouve la clé, on va à la porte. Et on longe les murs, comme les clébards, Lynette. Je crois que c'est déjà fait. Pourquoi? Ça veut dire que là, on n'a plus qu'à trouver la clé. Mais la clé, elle était déjà censée être là, je l'avais prise. Bon, par contre, t'évites de me perdre comme ça, là, s'il te plaît, Lynette. Longe les murs, jusqu'à temps que je te longe. Oh putain, fils de... Oh, arrête, oh, la surréaction, là. Et si on n'a pas de clé, on fait quoi? On doit recommencer une vraie partie de A à Z comme des hommes. Après, moi, j'aimerais bien qu'on atteigne au moins l'étage 2, quoi. Parce que bon, si on passe tout notre temps ici, on va pas aller bien loin. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il faut pas te suivre, en fait. Bah, le problème, c'est que si on se sépare, c'est peut-être moi qui a la clé, même s'il y a pas grand-chose dans l'inventaire. Pourquoi c'est toujours moi qui vais en premier? Bah, vas-y, bah, y a pas de problème, moi, je peux avancer. Bon, il est pas là, le grand noir. Non, le long noir. Toi, tu pourrais habiter ici, toi? Non, pas trop. Moi, j'ai un peu peur du noir, donc... On est déjà passé par là, là, non? Ah, mais je pense qu'on est déjà passé 10 fois. Hein. C'est une course de rallye, là, on est en F1, là. C'est la petite balade du dimanche. Oh, il est là-bas. Alors, le long noir. Bah, barre-toi. Bah oui, bah oui. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Sale enculé! Ferme ta gueule, barre-toi! Barre-toi, me parle pas! Je m'en bats les couilles! Y'a un pteranodon qui est derrière nous! Pourquoi tu l'insultes? C'est mon système de défense. Enculé! Bon, au moins, on a compris que c'était pas par là qu'il fallait aller. Et surtout, on a compris qu'il était tellement loin de nous qu'on peut courir maintenant. Bah là, on est de retour à l'échelle, bah tiens, nickel. Tu sais où je suis? Oh putain, sale bâtard. Oh là là, l'acteur DiCaprio sort de score. Mais la vie de ma mère, la tête de mer, je me chie dessus. Moi, tu me ramènes dans des jeux comme ça, j'ai pas envie. Après, tu es quand même le seul à avoir trouvé la porte et t'arrives pas. Quoi? Ah bah, j'ai trouvé la porte. Oh, let's go! Oh, il y a de la carcasse. Ah, gars, c'est quoi sa mère? Il faut qu'on ait les touches comme ça pour s'équilibrer, comme les équilibristes. Allez, vas-y. Ah putain, la putain de sa mère, ouais. Là, c'est bon. Allez, vas-y, Lynette, c'est toi le chef. Ah, super. Non.
Non, mais on est de retour en bas. Oh non, Lionhead. Putain. Ah bah super. Ah bah on est en bas. Maintenant on doit faire quoi? Maintenant on lèche les murs là, comme ça. Sale bâtard. Putain. Oh putain. Maman que j'aime. Maman que je suis. Il est derrière toi, il te colle. Il te colle les baskets. Il te colle les baskets. Lionhead, il est derrière moi. Il est derrière moi. Il est derrière moi. J'ai peur. J'ai peur. À l'aide. Ah putain. Voyez le feu qui m'indique. Arrête de me suivre, enculé. Il est derrière toi, il est derrière toi, cavale. Ta gasoline. Oh, c'est quoi cet endroit? Oh putain. Je sais pas, monte les escaliers, on a bébé de l'eau. Oh punaise, j'ai réussi. Alors ça, c'est du gameplay, ça. Je suis de retour avec toi. La vie de la mer, je transpire, je suis en sueur. On n'est pas si nul que ça, hein. Franchement, on a un petit niveau. Bon, je te laisse avancer. Ok, nouveau truc. Je crois, mon gars, il nous faut un genre de... Bah, de carte pour qu'on devienne des aliens. T'as tout compris, toi, t'as fait LV3 anglais, toi. Oh, bah tiens, appuie sur... Oh, on est dans les endroits des locaux, c'est en mode bail de staff. On est juste dans le parking de la Bellevue, là. Oui, mais on est dans le parking du staff. En tout cas, il y a de la... Oh, bah, je peux boire. De l'eau de l'amande. Petite canette. Petite canette, là. Petite bière. Ah, hop. C'est vrai. Petite bière. Oh, la petite bière. Bref, après la petite bière, le réconfort. On peut tout ouvrir. Oh, ça c'est bien, ça. Oh, une lampe torche. Oh, pas mal, ça j'aime bien. Wesh, la voiture de fou. Non, ça va, ça c'est une Clio 2, ça. Et comment tu j'aime ça? On va faire un... C'est pas facile, en tout cas, la vie des backrooms. Hein. Ah, faut qu'on monte notre carte, peut-être ici. Ah, mais on est con. Quoi? Comme si elle se passait quelque chose. Après, peut-être qu'il fallait la montrer autre part, hein. En fait, comme d'hab, on va prendre une heure. En fait, je suis avec un mec qui est pas forcément futé. Oh, je peux mettre un code. Lionhead, t'es où? T'es où? T'es où? Bah, je sais pas. Non, Lionhead, s'il te plaît, me fais pas ça. Me fais pas ça. L'ascenseur, imbécile. On va brute force le code. Au pire, il y a marqué quoi sur ma carte? Il y a un code. Allez, fais-moi voir. Bah, toi, bah, toi, montre-la-moi, toi. Bah, tout non, toi. MEG. Ouais, j'étais nouveau rappeur MEG. Bon, regarde, ici, il y a un code à mettre. Ok, il y a un code. Alors. Tu sais quoi? En attendant, moi, je vais essayer de voir s'il y a pas des codes marqués, ok? Vas-y. Il y a voiture verte, rouge, bleu, rouge. Tu penses ça a quelque chose à voir? Attends, je vais tenter. Vert, rouge, bleu. Oh, je suis doué, hein. La tête de la mer, je suis fort. Voilà. Par contre, Lionhead. Oui. Je crois que c'est là qu'il va y avoir un mob. Et ça sera pas un zombie dans Minecraft, là, ça sera autre chose. Oui, bon. On a déjà vécu pire, hein. Utilise de l'eau d'amande pour retrouver votre santé mentale. Oh. Ah ouais, c'est vraiment bon pour la santé tout de même. Et je l'ai bu pour rien, ça veut dire? Oui. Du coup, on doit aller là-bas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je préfère pas savoir. Lionhead, j'ai peur. Lionhead, j'ai très très peur, là. Au pire, je monte ma carte, hein. Oh, y'a un mec là-bas. Ta carte. C'est un mec pendu. C'est pas un mec pendu, ça. Ah mon dieu! Arrête! Je pense qu'il fallait qu'on aille le voir! Il faut qu'on aille le voir! Non mais arrête! On va vers lui? Ah ouais, ouais! Ah non! Ah non! Oh le bâtard! Bon, jamais faire confiance aux inconnus. Hein. Tu peux le faire, Lionhead, tu peux le faire. Oui, bah non. Boitons les d'amande. Ah, tu l'avais, hein. Bah maintenant qu'il s'est démasqué, c'est bon, on est tranquille. Mais il est vraiment là-bas, ce petit con, hein. Ah, je te jure. C'est des vrais mecs, ça. Je préfère pas savoir. En plus, je sais même pas ce qu'on doit réellement faire, en fait. Prends les d'amande. J'en ai marre de ton les d'amande, là. Je prends des risques ou pas, là? En vrai, beau physique, hein. Il veut pas dégager, ce bâtard, là. Pourquoi il fait des rondes comme si c'était un policier? Oh, la porte là-bas. Trop peur sur ce jeu de merde. En fait, pourquoi c'est à moi d'endosser en mode toute la pression? Bah peut-être parce que tu m'as demandé littéralement d'aller voir le mec, en fait. Non, t'as voulu t'échapper, tu t'es pris en sandwich. C'est ici? Ok. Je pense. Par contre, il est pas très smart, hein. Depuis quand prendre une porte, ça annule tout. En fait, si on a eu des lampes torches, il y a forcément une raison. Ah, tu penses que en mode tu mets la lampe torche, ça y est, il va se désintégrer, tu crois que c'est un vampire? Bah peut-être, hein. Lionhead? Oui. Regarde vraiment les tables. Les tables? Dans les pièces. Il y a une clé. T'es sûr? 100%. Ça va, il est pas drôle. Eh, tu crois quoi? Bah non, c'est une blague. Oh là là. Oh le brain. C'est Lionel Messi. Oh, me tue pas, il faut que j'ouvre la porte. Arrête. Ah, chais. Je dois aller où, là? Bah là, déjà, tu vas attendre. Commencez par attendre. Normalement, dans une autre pièce, Lionhead devrait y avoir une clé. Mais elle est où, ta pièce de merde? Oh, Théma, il y a des bails de clé ici. Jure. Mais on fait comment? Moi, j'ai pas de clé, moi. En fait, il faut peut-être que j'aille dans les autres endroits pour voir s'il y a pas des clés sur les tables et tout. Bah, je pense, hein. Mais tu vas me dire qu'on les a pas vus, ça veut dire? Je crois pas, hein. Ton cadavre. Non, pas très bon. Tout ça à cause de toi, en plus, vraiment. Oh non, je suis sûr que non. C'est bon, j'ai une clé. Jure? Ouais, mais je sais pas c'est laquelle. Y'en a combien? Y'en a 3? Bah, je sais pas, ça me paraît trop en fait. De toute façon, je vais essayer de la mettre, hein. Vas-y. Comment on fait? Ah, voilà, ok. J'en ai une. Il en faut vraiment autant? Moi, j'en fais encore 3, frère. Mais on est vraiment cons, la tête de la mère, on est des fils de chiens. Quoi? Mais il y en a partout des clés, frère. Entends-tu cette clé? Attends, le trousseau de clé qui balanche. Attends, il nous en manque une dernière et c'est bueno. Et bah voilà. Et puis là, je pourrais revenir. Ah, ça me manque pas, ça, tu vois. Bon, je sais pas pourquoi, mais attends, mais quoi? Je crois toutes les clés là. Ah ouais? Mais comment ça marche?
Ah, c'est bon. Ok. Faille dans l'ordre. Oh, let's go. Pouh, c'était vraiment chaud, hein. Oh, purée de pommes de terre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les catacombes de Paris. Oh, bah tiens, il faut la lumière, là. Ah, j'ai plus de lampe. T'as plus de lampe? Allez, bah tiens, c'est moi le boss, de toute façon. Bah, vas-y, éclaire, vas-y, on y va. Je te mens pas que quand c'est bien sombre comme ça, j'aime pas trop. Bon, je pense que personne n'aime, hein. Arrête d'éclairer, imbécile. Bah, les gothiques, ils aiment bien. Oula. C'est l'endroit parfait pour se laisser. Allez, salut les mecs!